Merci. Les bureaux, c'est à l'étage? Oui, c'est pourquoi. Je suis affecté ici. Moi aussi. Oui, c'est avec le sergent. Alors c'est comme ça qu'on s'habille maintenant à 14 ans? Ouais, et mes copains font pareil. Andy Sipovic. Danny Sorensen. Enchanté, Andy. Le patron, c'est Arthur Fancy. Bien, merci. Voici Danny Sorensen. Bonjour. On vient de l'affecter ici. Dolores. Enchanté. Moi aussi, Dolores. Je vais me présenter au chef. Danny Sorensen, lieutenant. Arthur Fancy. Soyez le bienvenu, Danny. Ravi d'être ici. Bien, vous pouvez fermer la porte. Voilà. La brigade vient de perdre un de ses hommes. Bobby Simone. Oui, vous connaissiez Bobby? Non, pas du tout. Bobby était marié avec une autre personne de la brigade, Diane Russell. Ils étaient dans la même brigade? Ça vous pose un problème? Non, non, absolument pas, mais je croyais que c'était déconseillé dans la police. Oui, je n'ai jamais reçu de note officielle à ce propos. Quoi qu'il en soit, Diane vient de revenir, et bien entendu, elle est plutôt bouleversée. Avec qui est-ce que Bobby faisait équipe? Andy Sipovic. Je l'ai croisé en arrivant. Lui aussi est bouleversé. En fait, nous sommes tous bouleversés. Allez, 15e brigade. Il n'y a pas de risque qu'il meure. Oui, c'est noté. Vous voulez vous mettre au boulot tout de suite? Découvrir le quartier? Absolument. Très bien. C'est parti pour la première affaire. Je prends ce bureau-là, chef? Oui, oui. Je vous présente Danny Sorensen. Greg Medavoy. Ravi de vous rencontrer, Greg. Voici mon coéquipier, James Martinez. Comment va? Et voici Jill Kirkendall. Bonjour, Danny. Enchanté de faire votre connaissance. Bonjour. Diane Russell. Diane, je vous présente mes condoléances. Andy, que vous connaissez. Oui. Payan s'est déjà parlé. Une seule victime blessée par balle ne risquant pas de mourir. Sorensen avec Sipovic. Vous êtes collectionneur de grenouilles? J'ai deux grenouilles sur mon bureau. Est-ce que ça fait de moi un collectionneur? J'en sais rien. Une seconde. Attendez une seconde. Bien sûr. Cette Russell que vous avez vue, cette femme inspecteur. Diane. Elle avait une liaison avec l'inspecteur dont vous prenez la place, Bobby Simone. Le chef m'a dit qu'ils étaient mariés. Vous savez déjà tout, alors dès que je dis quelque chose, vous avez plaisir à m'interrompre. Non, Andy, je ne fais que partager avec vous les quelques petites choses que je sais sur le sujet, mais maintenant, je vais me taire. Simone est mort. Simone est mort, ils étaient mariés, elle n'est revenue qu'aujourd'hui. Tenez compte de tout ça. Compris.